bloc à bloc, dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic-tac-tou, tic-galou, tic-galou, tic écho sur le museau. Merci. Tiens, tu vas être bien comme ça, hein, mon beau Sagal. Oui. C'est vrai que tu aimes beaucoup me rendre service, hein, toi? Oui. Sais-tu pourquoi? Non. Parce que quand je t'aide, là, je fais un grand, grand, grand sourire. Ça, ça veut dire que tu es content. Et puis moi, j'aime ça quand tu es content. Oh, ma belle petite chouette que j'adore. Moi, je pense que Zozo, il est jaloux parce que lui aussi, il en veut une belle caresse. Oh, mais je lui en donne tout plein des caresses, hein, mon Zozo? Quoi? Oh, c'est ça que tu essayais de me dire. Mon petit ami est arrivé. Oh, bonjour, mon cœur. Oh, je suis contente que tu sois là. Aujourd'hui, je suis bien gâtée, j'ai plein de belles visites. Il y a toi, il y a Rafi, il y a Chagall. Et puis Tibor. Oui, entre Tibor. Elle est ici. Bonjour, Cornemuse. Bonjour. Rafi, je te cherchais partout. Tu viens pas jouer dehors? Non. Tu m'as, Rafi. Parce que moi, il faut que je m'occupe de Chagall. Oui. Oh, c'est Chagall, le chien de Bilou. Non, c'est pas le chien de Bilou, c'est le chien de Bosquet, l'ami de Bilou. Ah, ça, c'est vrai. Allô, Chagall. Bilou et Bosquet, ils amènent toujours Chagall avec eux quand ils travaillent. Ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Est-ce qu'ils l'emmènent avec eux dans leur gros camion? Oui, oui. Il y a une petite place juste pour lui entre les deux. Ah. Cornemuse, est-ce qu'il est malade, Chagall? Oh non, je dois seulement l'examiner. Ce n'est plus un jeune chien, hein? Il est vieux? Bah, pas très vieux. Disons qu'il a à peu près l'âge de grand papou. Moi, je trouve qu'il a pas l'air vieux du tout. Ben, moi, je trouve que oui, parce que regarde, il y a plein de poils blancs dans sa figure. Et puis même sur son dos, il y en a des poils blancs. C'est vrai que des poils qui grisonnent, c'est un signe de vieillissement. Chagall était probablement tout doré quand il était plus petit. Doré? Comme de l'or? Moi, je pense qu'il faut le laisser se reposer parce qu'il est fatigué, Chagall. D'accord. Alors, pendant que vous allez jouer dehors, Chagall va se reposer. Vous savez, les chiens, c'est comme les gens. Quand ils sont vieux, ils ont besoin de plus de repos et ils ont moins d'énergie que quand ils étaient plus petits. C'est pour ça que Chagall, il marche plus lentement, il court moins longtemps et il doit se reposer plus souvent. Ah, moi, ma grand-mère, elle en a beaucoup des poils blancs sur sa tête. Moi, je trouve que grand-papou, il est vieux. À plus tard, mes amis. Mon beau chien. Je veux la coiffure. T'as des choses, toi, pour me coiffer? Oui, je vais bien voir. Oh là là, t'as des gros rouleaux. Tu vas mettre tout ça dans mes cheveux? Oui. Hé hey, là là! Waouh! Ça, c'est un beau miroir. C'est sûr que c'était à mamie, ce miroir-là? Oui. Oui, hein? Attention, mes yeux. C'est correct. C'est correct? Ah, oh, d'accord. Je me vois pas, là, je vois rien. Tu veux-tu? Oui. Est-ce que vous avez fini, madame la coiffeuse? Oui. Oui? Fini. Fini? T'es trop fine. Ça maintenant, toi, la coiffeuse. Va donc voir si t'es belle. Ah oui, tu vas être belle. Ah ah ah!
Là, c'est séchoir, là. Chut. Puis là, ça sèche. Est-ce qu'ils sont secs? Tiens, c'est tout ce que ça va te coûter. OK? Oh! Bonjour, toi! Sais-tu ce que je fais? J'essaie de composer une chanson. C'est pour une petite fille qui s'appelle Julie. C'est son anniversaire bientôt. Julie, Julie... Juliette! Ah, Julie... Julie... Juliette... Sais-tu pourquoi j'ai écrit Juliette? C'est que la petite fille s'appelle Julie. Et Juliette, c'est un joli prénom, mais on peut aussi s'amuser à l'employer pour dire « petite Julie ». C'est comme lorsque la maman de Raffi l'appelle Raffinette. Ça veut dire « petite Raffi », tu comprends? Essayons de trouver d'autres mots qui se terminent par le son « être », d'accord? Ah! Je cherche un mot qui veut dire « petite fille » et qui se termine par le son « être ». Une fillette. Une fillette, oui, une fillette, c'est une petite fille. Fillette. Ah, dis-moi maintenant, une petite jupe, ce serait une jupette. Une jupette, oui. Une jupette, c'est une petite jupe. Jupette. Tu veux m'aider à en trouver un autre? On va chercher ensemble. Ah! Je veux trouver un mot qui veut dire petite poche. Une poche, toute petite, c'est une pochette. Pochette! Bravo! Une pochette. Pochette. Maintenant, j'ai plein d'idées pour ma petite chanson. Ma chansonnette. C'est pas gentil, c'est vrai, mais il faut pas t'en faire avec ça, mon Bagou. C'est même pas vrai que tu marches comme une grosse araignée. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va, grand-papa? Oui, merci, Diane. Qu'est-ce qui peut bien te mettre en colère comme ça, mon Bagounet? C'est Cossy. Il a dit que grand-papa, il a dit... Ton grand-père t'est au vieux tout croche. Oh. Qui a dit ça? Cossy. Le petit voisin du dépanneur. Il a dit que grand-papou, il marche comme une araignée pleine de pattes. Il n'arrêtait pas de rire. Je comprends que tu sois en colère. C'est insultant, ça? Mais oui, c'est insultant. Et c'est pas gentil. Oh, mon petit Bagou. Viens près de moi. Hein. Viens t'asseoir, mon petit bonhomme. Je vais aller chercher vos médicaments, grand-papou. Merci, Liane. Tu sais, Bagou, moi non plus, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Et c'est vrai que ce n'est pas bien gentil ce qu'il a fait, Cossy. Mais non, c'est pas gentil. Mais moi, je suis sûr qu'il n'a pas pensé que ça nous ferait de la peine. Il faisait ça pour s'amuser. Mais oui, mais grand-papou, c'est même pas drôle. Et toi, tu ne trouves pas ça drôle, Bagou? Parce que tu sais, toi, que j'ai mal à la jambe. Et que c'est pour ça que je marche un peu tout croche. Mais le petit Cossy, lui, il ne sait pas. Et quand il voit un vieux singe comme moi qui marche tout croche, eh bien, il trouve ça bizarre et puis ça le fait rire. Il ne rit pas parce que c'est drôle, Bagou. Il rit parce qu'il trouve ça bizarre. Ça fait de la peine quand même. Oh, oui, ça fait de la peine quand même. Tu as bien raison, petit bonhomme. Merci, Liane. Tu es bien gentille. Ça va, mon bagounettrice? Mais moi, quand je vais le voir, Cossy, je vais lui dire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire que je sais pas, mais je
vais lui dire quelque chose. Allez, Alexandre, c'est un beau tablier. Oh, t'es bonne. Oh, c'est beau. Bravo, ma grande. Bravo. Et Nico, bravo. Et nous, on fait un... Qui est au centre, les amis? Alexandre! Alexandre! Lance ton popcorn, Alexandre, ouais! Oh là, le popcorn, il y a chaud, là! Il commence à avoir chaud, puis là, il va exploser! Petit coco. Allô. Tu peux t'asseoir ici, gros papou. Tu vas être bien, bien pour lire ton journal. Ah, merci, mon grand, tu es bien gentil. Bonjour, mon petit. Non, non, c'est pas comme ça, tu vois. Regarde comment moi, je fais comme ça qu'il fait grand papou. Grand papou. Oh, bonjour, le petit coco. Bonjour, le petit coco. Bonjour, le petit coco. Il rit de mon grand papou. Ah oui, c'est comme ça. Oui, oui, je vais leur dire, Boudou. Arrêtez de rire de mon grand papou. Riez pas de mon grand papou. Ça me fait de la peine. Et Bagou. Mon grand papou, il marche comme ça parce qu'il a beaucoup mal à la jambe. Et ça, c'est pas drôle. Mon grand papou, il n'aime pas ça marcher comme ça. Et moi non plus, je n'aime pas ça. Moi, j'aime mieux quand il marche comme d'habitude. Mais aujourd'hui, il n'est pas capable. Et si vous riez de lui, bien, moi, ça me fait de la peine parce que je l'aime, mon grand papou. Moi, je savais pas que tu avais mal à ta jambe, grand papou. Eh oui, ma grande. Moi non plus. Nous aussi, on l'aime, grand papou. On voulait juste jouer. Ouais, on voulait pas te faire de la peine, Bagou. Et à toi non plus, grand papou. Moi, je sais ce qu'il faut faire quand les grands papous ont mal à la jambe. Mais qui... Qu'est-ce que tu fais là, ma petite grippette? Tu vas pas mettre mon pied dans une chaudière? Non! Regarde, tu vas mettre ton pied là-dessus, puis ça va te faire du bien. Oh, tu penses? Ouais. Mets ton pied, tu vas voir. Ouais, attends, je vais t'aider, grand-papa. Oui, allez-y doucement, là. Faites attention! Oui, oui, oui! Attention! Oh. Ah, merci, mes petits cocos, merci. Ce que je voulais leur dire, hein, grand papou. Oui, et t'as bien fait ça, mon petit Bagou. Je suis pas mal fier de toi, mon petit bonhomme. Oh, hey, Slu. Je suis en train de préparer des masques pour les puces, oui. Non, 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 pas des vraies puces. Je parle de Bagou et ses amis. Les puces. Regarde. Est-ce que tu me reconnais? Ah, ben oui, tu me reconnais parce que tu vois mon visage à travers le masque. Il est transparent. Oui. Tu vois? Ben oui, tu me vois. Mais
Moi aussi, je te vois. Hé, Slut. Attends. Okay. Et maintenant, est-ce que tu vois ma figure? Non, hein? C'est un masque en carton. Et le carton, c'est pas transparent. Attends, maintenant. Voilà. De la futrine, est-ce que c'est transparent? Non, hein? Tu me vois pas à travers. Alors, c'est pas transparent. Attends. J'aimerais te montrer quelque chose de transparent, là. Oh, tiens, attends une minute. Alors, une fenêtre, est-ce que c'est transparent? Des traces de main, à cause qu'il y a un peu de peinture. Veux-tu faire de la peinture sur la tête? Ça, c'est transparent. Qui ne sourit pas. Oui. Bon, parfait. Bon, maintenant, regardez bien ce que je vais faire, d'accord? Je vais faire semblant que je me promène et qu'il m'arrive des choses. Et je vous dis pas quoi. Ouh. Et vous, vous devrez décider si ce qui m'arrive est drôle ou pas drôle. Oh, c'est pas facile, hein? Si vous trouvez ça drôle, là, vous mettez le masque qui sourit. Comme ça! Ouais. Bagou, là! Et si c'est pas drôle, vous mettez le masque qui ne sourit pas. Comme ça! Oui, c'est ça! Tout le monde est prêt? Oui, prêt! Je commence. Regardez bien ce que je vais faire. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça c'est vrai. C'est pas drôle.
ma petite chanson, ma chansonnette. Veux-tu l'entendre? Liane, est-ce que tu as fini ta chanson? Oui, j'allais la chanter justement. Je veux l'entendre. D'accord. Julie, Julie, Juliette, jolie, jolie fillette. Aujourd'hui c'est ta fête, c'est chou, c'est chou, c'est chouette. Oui, c'est chouette. C'est une journée pour s'amuser, pour rire et pour chanter. Jouer, courir, sauter, danser, une journée pour fêter. Jolie, jolie Juliette, regarde ta jupette. Chacune de tes pochettes est peut-être une cachette. Faut bien fouiller pour dénicher ce que j'y ai caché. Des petits trésors, des petites pensées et un bonbon sucré. Jolie, jolie Juliette, tu me fais des risettes. Quand tu souris Juliette, t'as de belles fossettes. Et sur ton nez, je veux déposer trois tout petits baisers. Un pour l'hiver, un pour l'été, l'autre pour toute l'année. Julie, Julie, Juliette, jolie, jolie fillette, aujourd'hui c'est ta fête. Bonne, 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 bonne fête. Oh, elle va l'aimer ta chanson, la petite fille Juliette. Oui. Oh oui. Bravo maman. Merci. Alors mon Chagall, t'as fait un bon gros dodo, hein? Une belle grosse sieste, tu t'es reposé? Qui ça, nous? Je ne connais personne qui s'appelle nous. C'est nous, Cornemus. Tibor et Rabi. Mais oui, bien sûr. Entrez, c'est ouvert. Allô? Allô? On vient voir Chagall. Mais oh. Oui. Allô, Chagall. Comment ça va? Ouf, ouf. Cornemuse m'a examinée et elle dit que je fais un peu d'arthrite. Ouf, ouf, ouf. Est-ce que ça lui fait mal, la tripe Cornemuse? Ouais, peut-être un petit peu, oui. C'est pour ça qu'il bouge lentement et qu'il ne court plus beaucoup. Mais ça va plutôt bien, hein, mon Chagall? Ah, ça va quand même bien. Il faut seulement éviter qu'il fasse des mouvements trop difficiles pour lui, comme monter les escaliers ou les descendre. Ça, c'est sûr que c'est plus douloureux pour son dos et pour ses pattes. Cornemuse, qu'est-ce que ça veut dire, douloureux? Non, douloureux. On dit que c'est douloureux quand ça fait mal. Oh. Et quand il marche, Chagall, est-ce que c'est douloureux pour ses pattes? Ouf, peut-être un peu, oui. Oh, ça, c'est comme grand-papou. Sauf que moi, je connais quelque chose qui lui fait pas mal du tout à Chagall. Il l'adore. Manger. Il aime manger. Et puis, savez-vous quoi? Il chante aussi. Oh! Ça se fait pas, Rafi. Un chien qui chante. Ça se peut. Non, un cornemuse. Les chiens, ils jappent. Et puis... Ils jappent, ça, c'est sûr. Oh oui. Ils grognent. Et puis, ils font des petits bruits avec leur bouche comme ça. Mais ils chantent pas pour vrai, de vrai, de vrai, là. Sauf que ça prend un biscuit. Oh? Mais ça se peut pas, Rafi. Oui, ça se peut. Ça se peut si je lui donne un biscuit. Regardez, c'est Bosquet qui me l'a donné pour sa collation. Oh. Regardez bien. Chagall, chante. Chante. Bravo, Chagall! Vous voyez bien qu'il peut chanter. Oh oui. C'est drôle. Il a chanté un petit peu. Quoi, mon zozo? Zozo aussi, il veut chanter. Mais bien sûr que tout le monde le sait que tu chantes toi aussi très bien. Allez, vas-y, on t'écoute. Oh! Bravo, Zozo! Bravo! Déjà terminé? Oh! Écoute, tiens, ma Rafi, c'est l'heure de se dire au revoir. On a passé un beau moment ensemble, hein?
Je suis contente que tu sois venue. Tu vas revenir un autre jour? Très bientôt. Oh, ça me fera très, très plaisir. En attendant, je vais t'envoyer un beau bec. Tu sais comment? Un beau bec de petit chien. Attrape. Ouf. À bientôt, mon trésor.